Bonjour à tous et à toutes, c'est Lucas Robin, on se retrouve sur une vidéo de Mario Luigi, frère du temps. La dernière fois, on avait affronté un gros Xampi, je crois que c'est le vieux Xampi qui s'appelle. Est-ce qu'on peut leur dire rien du tout. Un gros Xampi qui avait fait un trou dans le mur au passage. Ok, bah du coup, on rentre à la maison parce qu'on avait rassemblé tous les fragments de l'étoile, il nous manque juste le centre, je crois. Ouais, il nous manque juste le centre. Et du coup, on est parti. Oh! Le retour au château de Peach. Peachy! Donc là, je comprends pas. Depuis qu'on est parti dans les ruelles Twomp, enfin dans les ruelles, dans le truc des Twomp là, on n'est plus revenu du tout. Au passage, on va peut-être aller voir Gragovitz. Ou comment on l'appelle en anglais, Faithful. Oui. Alors on a quoi, badge. C'est quoi ce stock baisse. Pas de PV. Obtenez super avec un objet super booster votre puissance. Parfait. Quoique... Je regarde un truc là. Voilà. Peut-être mieux. Ma foi. Du coup, les deux ils vont monter, ils vont partir là-bas. Heureusement que je connais le chemin, sinon c'est un peu con. Dans le royaume champignon actuel. Bon, pas de refus. Du coup, la dernière fois, on avait affronté un gros Xampi. Enfin, c'était le vieux Xampizoïde, je crois. Xampioïde. Mais bon, allons voir Monsieur Carltastrophe. Enfin de retour parmi nous. Vous avez retrouvé plusieurs fragments d'étoiles cobalt, n'est-ce pas les garçons? Bah deux, non. Plus que un à trouver. Disposant des renseignements, il semble avoir le pouvoir de désactiver le barrage du château d'antan. Comment es-tu arrivé à cette conclusion? Car c'est à moi que l'étoile cobalt n'ait parlé. Elle l'a fait. L'esprit de l'étoile s'est matérialisé devant nous et nous a donné cette information. Je vois, et bien si c'est l'étoile qui te l'a dit, c'est que c'est vrai. Tout est bientôt fini, nous croisons les doigts jusqu'à votre retour. La faille est au deuxième étage, évitez de vous attirer des ennuis, même si ça semble inévitable à ce stade. Et donc lui là, celui qu'on a vaincu, c'était un de ses proches, enfin de ses ancêtres. Je sais rien du tout, je m'en fous. On va à la faille, on va commencer à rentrer dans le château d'antan. Et ça, ça pète la classe. Ah bah du coup, bravo Bowser, bravo. Bowser qu'on ne verra plus, je pense. Bowser, il a fait une seule apparition dans ce jeu. Eh, il a sauvé le royaume champignon, voyons, c'est pas ça qu'on dit. Parce que c'était la fosse, puisque c'était la princesse Xampi qu'on a ramené ici, que Bowser a capturé. Ben. De toute façon, elle comptait faire comment à la princesse Xampi pour. Ah non,
que c'est là. Pour Comptez faire comment la princesse Xampi pour capturer le royaume à elle seule, parce qu'il y avait que elle là. Elle avait pas amené tout le monde sous sa jupe, quoi, c'est ce que je veux dire. Bref, allons-y. Ah, dommage que la feuille n'est pas violette, un truc comme ça, en mode Xampi stylé, genre. Château de Peach, royaume champignon du passé. Nom d'une lanière en cuir, le toit cobalt réagit avec une extrême violence. Je vais leur péter la gueule. Squalala! Formidable, nous pouvons pas en passer. Les ambiances ont toutes fait leur bastion cycle d'horreur d'initiés. Restez toutes vigilants, restez tous vigilants et soyez très attentifs. Retour à l'action. Ok. Pas Luigi qui n'a pas envie. Bon, du coup. Là, on a les trucs. En fait, si vous voulez, pour vous faire une idée, on va rencontrer tous les ennemis qu'on a jusqu'ici, mais en mode plusieurs. Genre eux, vous en rappelez très bien. Chez les troncs. Sauf que là, ils sont vieux et ils sont bien plus hardcore, c'est mort, tu vois. C'est pour ça que j'ai utilisé une. Ah oui, du coup. Objet infini. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça c'est fait. Heureusement que Mario est plus rapide. 20 000 les bébés. 20 000. Le level des babies, 20 000. On va tuer tout le monde d'abord. Hein, parce que c'est la cour, ça va, la cour, y'a pas grand monde. Y'a quoi, 6 ennemis maximum. C'est génial. On va faire pareil. Hein. Ah, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. C'est dur, vous rendez pas compte. En fait, je me mets sur mon bouton et je tremble. Du coup, ça pue plein de fois. Alors, du coup, les babies. Babies. À quoi vous servez, vous, finalement? Bah, attaque. Du coup, je peux où faut aller, je comprends pas où faut aller par contre. Donc attends, j'ai regardé ici, qu'est-ce que c'est? Ah, la statue est bien plus petite là que là-bas, mais c'est pas grave. D'accord, bah oui, c'est un, ok. Je peux pas vous mentir, je me rappelle plus du tout d'ici. Genre vraiment plus. Je connais juste la gueule du niveau, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, tout le monde peut la connaître. Vous allez comprendre. C'est juste logique. Vous allez voir. Forcément, vous connaissez, c'est logique comme tout. Ok. J'ai envie d'y aller. Je vais te sauter.
Oh putain, ce niveau on va pas rigoler longtemps. Il y a une technique aussi pour avancer sans le. Sans le truc là. C'est d'avoir les ombres. Les ombres, vous voyez bien que les ombres elles sont différentes par rapport au sol. Du coup, si vous sautez, que vous revenez, que vous voyez que vos ombres elles sont pas là mais qu'elles sont en dessous, bah, vous savez que c'est pas bon en général. De la logique, juste de la logique. Non mais là, putain. Moi je me porte bien, vous. Je suis con. Je suis très con. Putain, je vais jamais y arriver. C'est tout con en plus, c'est moi qui fais n'importe quoi, mais c'est facile. C'est un jeu d'enfant, ça on le fait tout le temps en plus. On l'a fait 4 fois en tous les épisodes là. Voilà, et là je suis à moitié dans le vide, bah oui. Tout ça pour ça quoi, c'était de ma gueule. Oh, je crois qu'il allait avancer en fait. Jamais vous avez cru pas, vraiment que j'avance. Oh putain, c'est dur. Je veux pas de tension, je suis trop pressé. Non mais mec. Oh l'enculé. Je suis con. Ce truc nous appelait essentiellement 48 ans. Ouais, yes. Fuck the little one. Mais mec. Je vais dire un truc maintenant. Attends. D'accord. C'est que j'ai eu très très peur en fait pendant une seconde. Qui est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord, c'était pas construit en fait. Ah c'est de l'eau. Ah c'est du. Ah c'est des œufs. Ok, super. Ok, ok, tout va bien, Lucas, ne panique pas. Alors. Là c'est les tuyaux qui ramènent ici. Du bois, cette espèce de boule de bowling chelou là. Qui est-ce que c'est que cette merde? Dodorbe. Qu'est-ce que c'est? Ouah cette défense. Ça va, j'ai rien à dire. J'ai bugué. Et quoi, c'est quoi? Ah d'accord, il est réveillé. Ok, c'est un style d'ennemi, genre quand il est réveillé, il nique la merde. Ok, I understand. Why not? Why not? J'ai dit en me disant, bon, peut-être faire un saut, mais non, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de PV, tu vois. Il lui est resté 13 PV, c'est compris? 13, ok. Mon dieu. Peut-être que là où vous regardez cet épisode, moi j'ai fini de la semaine déjà. Parce que c'est bientôt fini là je pense. Ça me semble. Concentré. C'est
Ça bon, pastiche. 135 PV, moi je dis que non, 130. Ah bah non, de gros 140, parce que je vais déjà sauter dessus avant, je crois. Mon dieu. Normal. La fleur clonée. Nanana, j'ai tellement le meilleur truc. Lui va se faire en 4 secondes. 0, 0, c'est mort. Mais non. En un saut, il est mort. Merde. Voilà. J'ai fait le saut normal en plus. Voilà, je m'attends, j'ai pas envie. Pourquoi ils ont fait un putain de puzzle pour rentrer dans leur château à eux en fait? Enfin, je sais pas, c'est pas logique, pas grave. J'ai plus trop à ça depuis. Pas quand même d'un peuple qui va envahir le peuple et d'un plombier qui va aller sauver ce peuple. Non, je suis pas ce genre là, moi. Je suis quelqu'un qui aime que les gens trouvent qu'ils sont pas cohérents, genre ça. Ne vous inquiétez pas. Je crois en vous. Et voici donc un petit. Et vous comprenez pourquoi je dis que c'est normal. Bah, si c'est normal. Sans rappeler. Vous remarquez pas qu'elle a la même forme. 1, 2, 3, là, le jardin en bas et tout. Ça vaut, non? Ok. Par contre, je sais pas ce qu'il peut faire. On fait de monter. Ah, mais pff, ok, non, pardon, j'ai juste pas vu les gros lasers qui sont au milieu. Ah, il y a un bloc. Ah, comme dans le désert. Alors, finalement, là, il y en a deux qu'il faut activer pour un, et là-haut, il y en a qu'un seul, je suppose, qu'il faut activer pour un. Donc, on va activer celui qui est tout en haut déjà pour commencer. C'est comme dans le désert en fait. Comment on fait? Un endroit où on doit pouvoir monter, et je le sais. Ça c'est sûr. Juste, je ne sais pas d'où il s'agit. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Une ville d'amour. Bon, attends, tu sais quoi? Ah, attends. Oh putain, j'ai eu peur. Quoi? Je comprends pas. Bon, on va déjà actionner ceux qui sont là. Une petite débule. Oh, mais c'est bien plus vénère. Oh, c'est un dragon, c'est un dragonneau de Mario World. Merde, c'est pas bien. Bulle d'âme. Ah non, c'est de là, voilà, c'est de là. J'avais bulle d'âme en tête depuis le début du jeu. On a rencontré les bulles d'amour, mais c'était pas ça. J'avais plus où ça venait. Mais ça vient de là. On est d'accord. Ah oui, c'est. Ah oui, cet ennemi, il est rigolo. C'est l'ennemi qui se plie. Comme dans Mario World. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow la chaîne bien sûr. À vous abonner, à liker, on va se foutre là. Et voilà. C'était Lucas Robaz, je vous fais des bisous. Alors attendez, bye bye tout le monde.